Bienvenue sur Odin Outdoors. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sortie vraiment au bushcraft. Je suis avec David que j'ai rencontré grâce à la chaîne. Salut tout le monde. On est venu tester du matériel. Il a pas mal de trucs sympas à nous montrer, notamment un superbe sac de chez Frost River que peut-être vous connaissez. Je pourrais vous montrer un peu plus en détail ce que c'est. Une scie, notamment une scie à cadre de chez, comment ça s'appelle ? Beer Essentials. Voilà, donc canadien. Une superbe scie à cadre. Et puis on a une hache aussi qu'on a bien testée, comme vous pouvez le voir. Vous verrez les images, puis on en reparle tout de suite. Donc voilà, petite sortie, on est en janvier 2021, on a fait un petit feu. On a aussi bien mangé un beau morceau de viande avec notamment un système assez sympa pour fixer une grille que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon, écoutez, on est venu tester du matériel et puis je suis avec David qui avait amené une hache Roselli. Et c'est la hache Roselli avec le long manche. Et comme vous pouvez le voir, le test s'est pas très bien passé. J'ai les images sur vidéo. En fait, j'étais en train de couper un arbre d'une dizaine de centimètres de diamètre, un arbre mort. Et la tête a tout simplement volé. En fait, ça s'est brisé à l'intérieur. Et on a eu de la chance parce qu'il n'était pas sur la trajectoire, heureusement. Mais c'est parti à grande vitesse et donc vraiment on était étonnés, très déçus. Donc David va contacter le service après-vente de Roselli pour voir ce qu'il peut faire, parce que là à mon avis il y a un défaut soit de conception, soit du bois qui compose le manche, parce qu'en fait ça s'est carrément brisé à l'intérieur avec une utilisation complètement normale. Donc je vous tiens au courant. Après avoir inspecté un peu le manche là, vous voyez ici on dirait que c'est de la colle. Si c'est bien de la colle, c'est assez mauvais signe. Normalement, les bonnes marques de hache, elles n'utilisent pas de colle dans les montages. Et ça tient uniquement par la force du coin. Voilà, alors je vous fais un petit retour sur le test de cette hache Roselli que David avait amenée. Donc comme vous avez pu le voir, le fer en fait s'est détaché du manche quand j'ai frappé avec et ça a parti en volant. Donc on était très déçus, d'autant plus que ça aurait pu être vraiment dangereux s'il avait été dans la trajectoire. Donc c'est une bonne piqûre de rappel de faire attention qu'il n'y ait personne, même quand c'est une hache toute neuve comme c'était le cas. Là c'était la deuxième fois qu'elle a été utilisée, il n'y avait vraiment aucune trace d'usure, aucun
coup qui avait été manqué sur le manche. Donc aucun signe de fragilité, mais voilà, c'est un rappel de quand même bien faire en attention. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le soir même, c'était un samedi soir, David il a écrit au service après-vente de Rosélie, qui lui ont répondu dans la foulée le soir même, et qui ont tout de suite reconnu leur faute, si je puis dire, et qui ont dit que c'était pas normal. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont remboursé entièrement, et puis ils lui ont envoyé une deuxième hache, cette fois-ci avec le manche normal. Parce que donc Rosélie, c'est une marque de hache et de couteau finlandaise. Ils ont ce modèle qui est très connu et reconnu dans le milieu, qui existe depuis des années, et qui a un manche normalement en bouleau avec une finition claire. Et là, c'était un manche spécial avec une finition foncée, je sais pas l'essence exactement. Je sais pas exactement ce que c'était, mais c'était une nouvelle finition qui était au catalogue depuis cette année. Et donc il y a eu probablement un défaut sur le montage et le bois de ceci. Je suis assez sceptique parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il y avait de la colle dans le montage. Mais toujours est-il que quelques jours plus tard, ils ont envoyé un mail à David pour lui dire qu'ils retiraient entièrement de la vente ce modèle. Et d'ailleurs, si vous allez maintenant sur le site de Rosélie, il n'y a plus que les haches avec le manche, avec la finition normale. Donc ils ont retiré complètement de la ligne de production, donc je pense qu'ils doivent vraiment faire des tests pour voir s'il y a vraiment un défaut avec, avec le bois qu'ils utilisent pour cette finition-là. Donc on peut dire que le service après-vente a bien réagi. Après il faut dire que voilà, j'étais un peu déçu parce qu'en plus c'était une hache qui est sympa, qui a un profil particulier, c'est vraiment une hachette faite uniquement pour la fente. Avec un profil très épais, vous l'avez vu, ça rentre pas facilement dans le bois, donc c'est pas une hache pour la coupe. Mais en bushcraft, c'est sympa parce que ça fait une petite fendeuse à avoir en complément d'une scie. Mais bon, là, comme vous pouvez vous en douter, ça m'a un peu refroidi. Moi, je vous laisse vous faire votre opinion. En tout cas, la marque a bien réagi, je trouve, mais c'est quand même une marque avec des produits assez haut de gamme, donc c'est quand même normal, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est quand même une bonne réaction de leur part. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre opinion à ce sujet et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Alors David, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta scie puis de ton sac après? Bien sûr, alors ça c'est une scie qui a été faite au Canada par un type qui les fait en fait à la main. Elles sont en ERA, donc ça c'est une scie à cadre. Elle est très 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 légère, elle fait pas plus de 500 grammes je dirais. Elle coupe très bien et puis comme vous pouvez le voir, donc la qualité est assez impressionnante. C'est vrai que j'ai pu tester tout à l'heure et c'est plus léger qu'en tout cas que les scies avec un cadre en acier. Et c'est vrai que c'est de bonne facture, on voit que c'est qualitatif. Après bon, ça, c'est vrai qu'elle est assez chère, je crois que je l'ai payée, je crois qu'elle était plus de 200 $, mais après voilà, moi, je suis un amoureux des beaux objets et c'est vrai que celui-là il est vraiment extraordinaire. Pour le portage, il est extrêmement simple, donc là pour en fait la démonter, c'est très très classique, donc tous les amateurs de scie à cadre reconnaîtront le système. C'est le système traditionnel, puis avec une lame je crois de 50 cm environ. Oui, une cinquantaine de centimètres. Après vous pouvez aussi la changer si jamais vous êtes dans des régions où vous avez des arbres plus secs ou moins secs. Puis alors là, le petit système de sécurité qui est très important, vous venez glisser la languette ici, ce qui permet à la lame d'empêcher de sortir. Puis alors là, vous finissez avec ces deux petits morceaux. Et vous pouvez après ensuite les glisser dans des... Si vous en avez déjà des pochettes à scie, sinon vous pouvez aussi acheter sur le site, il y a une pochette que je n'ai pas ici, où vous pouvez la ranger avec aussi votre hachette. Donc c'est très intéressant. Après si vous la prenez, le paquet total, je crois, je me souviens plus exactement, mais 250 ou 300 $, donc c'est vrai que ça a son prix, un sacré prix. Mais c'est un objet que normalement vous pourriez garder après toute votre vie. Ah, c'est un bel objet, bah, c'est un des points communs qu'on a avec David, on aime bien les belles choses. Donc je comprends tout à fait. Après voilà, c'est clair que ça le genre de truc. J'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'en fabriquais une de fortune. C'est vrai que c'est relativement simple à fabriquer des scies comme ça un peu primitives. Après là c'est clair qu'on est dans un autre niveau de finition et puis d'assemblage, c'est sûr.
Donc voilà, une belle chose. Et puis alors ce sac, c'est le Frost River Isle Royale, hein, si je ne dis pas de le bêtises. Le Junior, oui. En fait, Frost River, donc, qui est une marque qui existe depuis plus de 150 ans au Minnesota, donc aux États-Unis. Ils sont spécialisés dans le matériel en coton, en toile de coton ciré. Donc c'est un sac vraiment de qualité. Et il y a plusieurs modèles. Ils font aussi des day packs, beaucoup aussi pour le vélo. Et celui-là, donc ça c'est leur sac iconique pour le bushcraft. Il y en a trois tailles différentes. Vous avez le Isle Royale Mini, le Junior, celui-là qui officiellement fait du 40 litres, mais vous pouvez le monter à 50-55 assez facilement. Et puis vous avez le très très gros, le Isle Royale Normal, qui lui, je ne sais plus, mais il dépasse facilement les 60, il doit être même, je pense, à 80, mais il est beaucoup plus lourd par contre. Et donc moi je vous avais présenté cet été, je crois, c'était un modèle que j'ai aussi de Frost River, c'est le Arrowhead, si je ne dis pas de bêtises. Donc là moi c'était plutôt un petit day pack, là c'est quelque chose quand même de déjà plus élaboré, avec une quarantaine de litres, et puis comme on va le voir là, il y a un système de portage qui est quand même beaucoup plus technique, on va dire. Le gros intérêt en fait de ce sac, c'est que au niveau des épaules, c'est extrêmement bien rembourré. Donc là, je l'ai porté dans des montées. Ouais, hier, j'ai fait un kilomètre de dénivelé. Honnêtement, je ne le sentais pas. Au niveau vraiment des épaules, c'est très intéressant. Mm-hmm. Vous avez aussi évidemment l'attache qui est digne aussi du matériel de Frost River. Donc c'est du cuir et du laiton. Donc c'est vraiment fait pour durer. Du beau matériel. Au début, je pensais qu'on allait le sentir en fait, ce bout de laiton sur le torse, mais absolument pas. En fait, c'est vraiment bien fait. Et vous pouvez rajouter aussi après une ceinture rembourrée qui existe en différentes tailles. Et elle est en option, celle-là, je crois. Elle est en option, absolument. Je crois qu'elle est une quarantaine d'euros. Donc là aussi en laiton avec cuir et surtout le rembourrage. Donc elle est extrêmement confortable. Pour avoir un portage qui est beaucoup plus adapté aux charges lourdes, pour que vous puissiez aussi avoir le poids qui soit plus réparti, qui ne soit pas sur les épaules, mais qui soit vraiment bien réparti aussi sur les hanches. Le sac en question, donc, il est en toile de coton ciré, c'est du 500 grammage, donc c'est vraiment très épais. Il est ciré, donc imperméable. J'étais sous la neige l'autre jour, il n'y a pas une goutte qui est rentrée. Après, vous pouvez aussi le cirer vous-même. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin parce que je l'ai reçu il y a environ un mois et demi. Il est de très bonne facture. C'est vrai que comme on en discutait tout à l'heure, hein, c'est vraiment bien fait, hein, les coutures et tout. Ouais. Moi, j'ai quelques produits, enfin j'ai le sac Frost River que j'ai déjà présenté, puis j'ai des petites pochettes et tout. Et on en discutait, c'est vrai que le seul peut-être défaut, c'est la toile cirée qu'ils utilisent. Elle est vraiment très épaisse. Hein. C'est du 500 grammes par mètre carré. Et on se demandait justement, est-ce qu'ils ne pourraient pas utiliser quelque chose d'un petit peu plus léger? C'est clair que si vous êtes au Minnesota ou au Canada et que vous êtes un trappeur et que vous avez les hivers qui sont évidemment beaucoup plus rigoureux qu'ici, c'est le grammage qui est nécessaire. Mais c'est vrai qu'en Europe, sauf si vous faites de la haute montagne, mais ce n'est pas l'utilité de ce sac de faire de la haute montagne avec, c'est vraiment du bushcraft. Et puis il faut s'habituer aussi au poids, parce qu'il a quand même son petit poids à vide. Si vous prenez le sac plus la ceinture, plus les deux petites attaches ici pour pouvoir mettre un sac de couchage ou bien une couverture en laine, il est à 2,4 kg. Donc ça a quand même son poids, et ce n'est pas un sac C'est vraiment du heavy duty, hein, comme ils disent les Américains. Surtout, il a aussi son petit gros prix, parce que c'est vrai que c'est un sacré budget. Le sac sans la ceinture et les petites lanières en dessous, il est à 400 euros de mémoire. Je me suis procuré sur Pyrene Bushcraft. Ouais. Donc ça a son budget. Donc faut vraiment, si vous voulez commencer avec des sacs de ce type, peut-être commencez avec le day pack, regardez si vous aimez ce type de produit avant de faire un investissement qui soit vraiment plus conséquent. Mm-hmm. Parce que là, moi, je sais que c'est le genre de sac que je le porte très souvent. Même quand il est quasiment vide, j'aime bien mettre des choses dedans. L'utilisation bushcraft est parfaite. Là, vous avez aussi une petite pochette pour pouvoir glisser quand elle ne se casse pas, évidemment. Et puis alors là, vous avez des bonnes poches pour mettre de l'eau, donc ça passe avec les gourdes militaires ou des kits médicaux. Moi, je le mets là pour avoir un accès rapide. Mm-hmm. Et derrière, là aussi, vous avez des poches, en fait. Vous pouvez
pouvez venir glisser votre matériel, donc ça peut être une scie silky, j'ai mis couteau fourchette avec un opinel, donc c'est très facile pour pouvoir y accéder. Puis on parlait tout à l'heure de l'intérieur, parce que un des défauts du sac, c'est qu'il n'a pas d'armature rigide, il n'y a pas de frame, comme ils disent les Américains, en aluminium ou comme il y a souvent dans les sacs de randonnée. Du coup, David, il a fait un système avec un matelas. Tu peux nous montrer ? Absolument. Donc ça, c'est un peu un truc et astuce que vous avez chez certains utilisateurs. Donc, il y en a beaucoup qui utilisent en fait des poubelles de chez Ikea qui permettent d'avoir une armature. Je trouve ça pas forcément très ingénieux parce que vous allez avoir de la rigidité, donc ça risque de pas être très confortable au niveau du dos. Il faudra rajouter après un petit matelas et surtout vous risquez d'avoir un poids supplémentaire qui n'est pas forcément utile. Donc moi j'ai mis un petit matelas ici que je trouve chez Decathlon ou Sportix ou autre pour une dizaine d'euros. Je l'ai un peu taillé, ce qui me permet de garder l'armature. Parce qu'en fait les 40 litres c'est jusqu'ici. Donc à partir de là vous avez 48 cm de mémoire. Ce qui est intéressant avec ce sac, c'est que vous avez ces deux petits... comment vous appelez ça, ces petits volants qui sur les côtés qui permettent de gagner énormément en fait de volume. Donc là comme ça je pense qu'il est au moins à une cinquantaine de litres. Et puis alors là moi je l'ai rangé comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'après je peux l'utiliser pour le sol sur mon matelas en gonflable. Je sais pas, ça permet d'avoir une air-value qui soit plus adaptée. Parce que là vous pouvez voir, donc il est très massif, l'intérieur il est très grand. On voit là justement le rembourrage qui est assez impressionnant. Donc là c'est vraiment du très costaud, c'est rifté. Vous avez le cuir, c'est extrêmement bien attaché. Donc là vous pouvez vraiment y aller. Mais c'est vrai que s'il est vide, il a tendance à très vite s'affaisser, ce qui est dommage. Puis si vous le fermez après comme ça, avec les pochettes, s'il est vraiment vide, vous risquez de couvrir en fait ces parties là, donc c'est pas forcément l'idéal. Lever du feu, ça refroidit très très vite et c'est aussi du heavy duty. Par contre pour des sorties sur plusieurs journées, si je veux privilégier le poids du matériel, je vais regarder. Ça c'est un peu ce qu'on appelle du matériel de luxe. Quand vous faites vos sorties, c'est du matériel qui est lourd, qui n'est pas encombrant, sauf cette petite grille ici, mais qui est intéressant, qui a son charme évidemment, c'est un bel objet. N'oubliez pas, quand vous avez grillé, de bien nettoyer la grille avec la viande, parce que si vous mettez directement dans le sac, vous allez avoir des odeurs sur votre sac de couchage ou autre. Moi ce que je mets, c'est que je mets du papier alu et j'ai une petite sacoche après pour la garder, et c'est extrêmement intéressant. Donc là on a fait une belle pièce de viande avec... Ah, ça nous a bien servi là, on avait 800 grammes de bœuf, ça allait nickel. C'est bien passé. Et on se disait, ça serait pas mal si quelqu'un fabriquait ce genre de choses, mais en titane. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait peut-être réduire le poids de moitié, peut-être, si c'était en titane. Ouais. C'est vrai que c'est très pratique, mais c'est lourd. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Mais enfin voilà, c'est un accessoire sympa. En plus, surtout si vous avez un camp de base. Tu sais qu'il y a pas mal de gens parmi, entre guillemets, la communauté Bushcraft qui a un camp semi-permanent, on va dire ça comme ça. Ça peut être super pour le laisser sur place en fait, hein, pour la cuisson, pas besoin de s'embêter avec un trépied ou autre, donc voilà.